Mi nombre es Rosy, soy de Chile y están escuchando Frañol con Carla y Hugo. Toutes les semaines, à peu près 7h16, l'émission Frañol, Carla nous présente une nouvelle chanson ou quelque chose d'assez récent. Salut. Salut. Souvent, tu nous présentes des groupes qu'on connaît un peu moins. Mais là, je viens de reconnaître un nom dans la liste que tu m'as donnée là, de chansons et j'ai reconnu un nom. La cantante qui collabore est la que conoce. Exactement, celle qui collabore à la chanson. Si. Je la connais, mais le groupe, parce que je crois que c'est le nom d'un groupe, Avionica, je ne le connaissais pas. Mira, yo lo conozco, bueno, lo conozco porque en realidad es un cantautor, es su nombre de musical. Ah, ok. De Cochabamba, Bolivia. Lo ubico hace harto tiempo, yo creo que es el mejor momento para presentarlo en el programa. D'accord, on va découvrir un artiste de Cochabamba, c'est en Bolivie. Un artiste qui s'appelle Avionica. Quand j'ai vu le nom, je pensais que c'était le nom d'un groupe ou quelque chose comme ça. Non, c'est son nom d'artiste, c'est son nom de scène. Un chanteur bolivien qui collabore avec une artiste colombienne qui s'appelle Andrea Echeverri. Exact. Celle-là, on la connaît. En fait, la plupart des latinos la connaissent. Je suis pas latino, mais je la connais quand même. Le groupe Aterciopelados, elle a connu beaucoup de succès avec ce groupe pendant les années 90-2000. Elle fait carrière solo depuis plusieurs années. Et elle collabore avec cet artiste bolivien qu'on va découvrir dans quelques instants. Así es. Y la canción que vamos a presentar se llama Ojos de Miel. Ok, une chanson qui s'intitule Œil de Miel, ou en fait, des yeux de miel. Exact. Ojos de Miel. Ojos de Miel, una canción del año 2019. Une chanson de 2019, collaboration Bolivie-Colombie. Exact. De la musique de Avionica avec la collaboration de Andrea Echeverri. Voici la chanson Des yeux de miel. Ojos de Miel. Merci beaucoup, Carla. De rien.